Salut à tous, c'est Itachi, on se retrouve aujourd'hui pour la 14e vidéo du Let's Play d'Infamous 2. Alors, un petit résumé de la vidéo précédente. En fait, on a fait une petite mission à l'aide de Zek, qui avait en fait réussi à choper un missile nucléaire pour en fait se débarrasser de la bête, puisque oui, la bête est arrivée à New Marais. Et donc, on lui a envoyé le missile à la face. Et je sais pas, ça l'a fait disparaître, mais je pense qu'elle est toujours quelque part dans son coin, dans une autre dimension, je ne sais quoi. Alors là-bas, on voit les grues hein, qui ont carrément été tordues par l'apparition de la bête. Elle était au milieu là, c'était un peu bizarre. Enfin bref, donc toujours est-il que la bête est ici, donc on s'approche inéluctablement de la fin du jeu. Et donc là, on a une mission à faire là-bas. Donc dans cette nouvelle partie de la ville aussi. Voilà. Alors par contre, j'ai fait quelques missions secondaires. Par contre, ouais, il y a un truc un peu bizarre, c'est qu'en fait là, il me reste des missions de karma, mais c'est que des missions de karma méchantes, si on peut dire. Donc c'est un petit peu bizarre. J'ai pas les gentilles. Généralement, les méchantes sont accompagnées d'une mission gentille, mais bon. Allez. On verra ça un peu plus tard. À la limite, je peux peut-être les garder. Puisque j'aimerais bien proposer en fait et la fin gentille et la fin méchante. Comme ça vous pourrez voir les deux orientations que le jeu va prendre. Donc à la limite je vais garder les missions de karma méchante, comme ça me permettra de... Enfin, hors enregistrement, de faire augmenter mon karma méchant, mon karma mauvais, un peu plus vite. Allez, donc c'est parti, on y va pour cette mission qui s'appelle Porteur Forcé. Zek, j'ai atteint l'entrepôt. T'es sûr qu'il y a un noyau d'énergie ici ? C'est un de mes potes de la milice qui me l'a dit. Il est supposé être dans une caisse qui porte le symbole de la milice. Ok, une caisse qui porte le symbole de la milice. Alors on voit sur le radar qu'il y a une espèce de délimitation là. Je suppose qu'il va falloir que j'aille à l'intérieur. Allez. Ah, je pensais qu'en fait ma roquette elle allait pouvoir passer à l'intérieur, mais apparemment non. Ouais. Alors une caisse de milice, c'est ça? Oh pardon. Oh pardon. Alors non. On va chercher. Il y en a encore une autre ici. J'ai trouvé un coffre dans l'une des caisses. Hop, on a voilà, jamais c'était trouvé ici. Un noyau aussi facilement. Allez, vas-y. Non, voilà. Pas de noyau. Mais j'ai trouvé des actes de propriété pour trois autres entrepôts. D'accord, du coup. Okay. En fait, on va devoir on aller chercher à différents endroits. Mais c'est le mauvais entrepôt. On dirait qu'on va devoir tout fouiller. Ok, c'est cool. Hop, on va se gaver. Ah d'accord, bon c'est juste les entrepôts en face. Par contre à mon avis plus ça va aller, plus il y aura de mecs qui vont m'attaquer. Alors là je vois qu'il y a des gars en face là mais... Non c'est... Ah d'accord ils sont au-dessus. Oh là les salauds quoi. Tchac. Je sais pas si ça le touche là. Il est caché derrière. Non, non, pas lui. Comment je le déteste celui-là avec son pompe. Voilà. Oh, toi, tu m'as saoulé aussi, toi. Vas-y, mais... Pff, te fous pas de ma gueule. Tiens. Comment je lui écrabouille sa face. Est-ce qu'il est? Il est. Allez, vas-y, vas-tu crever. Par contre, il y en a un autre qui est au-dessus, j'ai l'impression. Vas-y. Où est-ce qu'il est? Ah, il est là. Hop. Tiens, j'ai essayé de lui envoyer le combo avec le... Ah non, je peux pas. Si, avec le triangle. Est-ce que j'y arrive ou pas? Bon, j'ai pas réussi. De toute façon, je l'ai claqué avant. Alors, il y a des caisses un petit peu partout.
Que j'essaie de voir d'ici. Ah ouais, il y en a même là-bas. On va y aller. Tchac. Non, pas ici. Là, il y en a une ici. Non plus. Comme par hasard, ça va être la dernière caisse que je vais ouvrir. Bien évidemment, avec ma chance légendaire. C'est toujours pas ici. Il y en a peut-être encore en dessous, là. Enfin, certainement, j'ai envie de dire. Est-ce qu'il y a... Ah, il y a des choses aussi là-haut. J'avais pas fait attention. Bon, de toute façon, je parie que ce sera pas non plus dans ce hangar. Attendez, je vais me chercher un peu. Nickel. Il y a peut-être un peu plus loin là-bas. Ouais, il y a une caisse qui est tout au fond. Ça tombe, c'est celle-là. Ouais, forcément, la dernière. J'ai Bon, des c'était juste un petit fragments. fragment. Quatre fragments quand même. Plutôt Mais pas mal. toujours pas de noyau d'énergie. Écoute, mec, je suis sûr qu'il y a un noyau dans le coin. Continue à chercher. Que je continue à chercher. Ok. C'est marrant, là, il y a des ennemis dans les environs. Que je continue à chercher où? Ici, là? Attendez. Ah non, donc là, vous voyez, il faut que j'aille dans le hangar ici. Encore heureux que je regarde la carte. Parce qu'il n'y a rien qui me l'indique sur le radar qu'il faut que j'aille ailleurs. C'est de ce côté? Ouais, c'est de ce côté. On va longer la route. Et on devrait y arriver tranquillou. Là, il y a un garde qui est au-dessus. Ça va, il m'a pas vu. J'essaie de le rester discretos. Hop. Et donc, c'est ici. Hop, voilà. Alors ici, c'est les mecs de la milice cette fois-ci. Comment ça le gaz? Mec, je suis coincé. Ok. Je sais pas, grimpe. Sors vite de là, mec. D'accord, ouais, faut juste grimper. Ah, les salauds, quoi, ils ont gavé le... l'endroit de gaz. Alors. Il y a toujours du gaz, là. Ouais, il y a toujours du gaz. Faut que je fasse attention. Non! Parce qu'en même temps, il faut que j'aille chercher en fait les caisses qui sont en bas. Déjà que j'essaie de les localiser. Ouais, il y en a une là-bas, par exemple. Non plus. De toute façon, encore une fois, ce sera la dernière que je vais trouver. Hop. Non, non, n'ouvrez pas le feu. Hein. Restez tranquille, les mecs. Alors, est-ce qu'il y a une caisse ici? J'ai pas l'impression. Là non plus. Alors c'est chiant parce que... Ah, juste en dessous, non? Et effectivement, il y avait une juste en dessous, mais... Il n'y avait rien dedans. Ah, bordel! Voilà! Alors où est-ce que je peux aller là? J'en vois pas d'autres. Là non plus. J'essaie de me concentrer sur ce qu'il y a. Bon, de toute façon, là, ils me disent pas encore d'aller ailleurs, donc... Il doit rester une ici, de toute façon, tant qu'il n'y a pas un coffre, à mon avis, on peut pas aller plus loin. Mais j'arrive pas à trouver la dernière caisse. The last keys. Ah, vas-y, quoi, ce qui est cimetière. Je sais même pas d'où ça vient. C'est ceux de dehors, là, qui me tirent. Bon, je crois que c'était les mecs de dehors, mais bon, c'est pas grave. Bordel, elle est où cette dernière caisse là? Ah d'accord. Ah ok, bon. Ça a été ouvert et puis là visiblement ils ont mis un... Ah mais pff, comme par hasard, en fait j'avais déjà pété la caisse involontairement donc c'était juste le coffre. Oh là, pas l'air con. Rien et maintenant donc il faut que j'aille dans l'autre hangar. Laisser tomber. Non, on a encore un entrepôt à essayer.
Impossible que toutes ces défenses soient là par hasard. Voilà. Tiens. Oh, ça c'est pas classe ça. Allez, viens là. Y'a ta mec. Oh, je suis trop méchant. Non. Wow. Ça c'est parfait. Alors. Ah, génial. Donc ça c'est les grenades de glace que j'ai chopé la dernière fois. Je les avais pas utilisées jusqu'à présent, mais en fait elles sont plutôt pas mal parce qu'elles emprisonnent les gars littéralement dans un bloc de glace, comme vous pouvez constater. Voilà. Ils sont littéralement neutralisés. T'en bouge pas toi. Non. Parfait, le flingue. Allez, dis. J'essaie de descendre, mais j'arrive pas. Regardez, il est en train de shooter. Allez, on va y aller à la normale maintenant. Tac. Waouh. Et jamais il crève, lui. C'est le même que. Il me tirait il y a 2 secondes. Voilà. Bon, par contre, ça. Ouais, c'est un de ces bordels là-bas. Alors, mort ou pas mort? Ah, j'ai plus d'électricité. Vite. Waouh. Enfoiré. Ah non, non. Bon, je pourrais utiliser ma charge ionique en fait. Mais c'est pas grave. Je vais aller à la régulière pour l'instant. Roquette. J'adore la roquette. Si seulement je l'avais plus tôt. Alors, il y a une caisse encore là-bas. Ouais, je suis en train de chercher les caisses alors que c'est pas fini. Et moi, je suis comme ça, je suis un dingue. Alors. Oh, elle était belle celle-là. Ouais, non. Alors, attendez, la caisse. Ouais, ah, le coffre, il est là. Encore une fois, on voit juste le coffre. Oh, bordel! C'est un soldat de glace, mais là il est vraiment tout gelé. Oh, il est énorme en plus. Waouh, bordel. Waouh, waouh, waouh. Alors là je flippe. En même temps il m'en faut pas beaucoup pour flipper. Voilà, on va essayer de passer par ici. Alors il a pas l'air très difficile à affronter en fait. Mais par contre, j'ai quand même l'impression que il va lui en falloir pour le crever quoi. Allez, viens ici, regardez, il marche à 2 à l'heure en plus. Alors, j'ose pas lui tirer dessus parce que j'ai pas envie de louper mes roquettes pour l'instant. Voilà. Allez, vas-y. Oh, je suis un peu en train de faire le cheater, je suis désolé. C'est pas très courageux de ma part. Il est mort? Pourquoi il est... Ah, attendez, faut que je fasse quelque chose là. Il y a une espèce de QTE, non? D'accord. Ah, énorme. Ah, oh, je lui ai arraché ses bras. Allez, sois pas deg. Ah, c'est marrant, ça, il y a une espèce de QTE comme ça. Il n'y en a pas eu, en fait, depuis le début du jeu. C'est un peu dommage, d'ailleurs. Hop, voilà, on va se charger comme il faut. Bon, il est vraiment con, hein, par contre. Voilà. C'est vrai que c'est dommage qu'il soit sacrément con. Mais en tout cas, j'ai trouvé l'idée du QTE assez sympa. Encore une fois, c'est un peu dommage que ça arrive aussi tard dans le jeu. Alors, hop, on va charger. Et donc, le coffre, on l'a toujours pas ouvert.
Oh, devine quoi, Zek? C'est positif? Ah ouais, tout va bien. Et donc voilà notre noyau d'énergie. Et il y a un bonus. On dirait que j'ai mis la main sur la mallette de Bertrand. J'avais cru que Bertrand avait créé ces monstres pour regagner le respect de New Marais. Mais non, c'était bien plus que ça. J'imagine déjà des porteurs vendus dans le monde entier. Des super-héros en boîte, fournis à n'importe quel chef de guerre fortuné. C'est un... Regardez, il y a Ben Laden. Ce type peut lancer à lui seul une nouvelle race d'armes vivantes. Tous les pays se battront pour avoir des gens de destruction massive. Mais c'est bizarre. Est-ce que tout ça serait vraiment pour l'argent? Alors qu'il Alors quoi? Il essaie d'acheter les gens, de se payer une place au paradis? Non, ça colle pas. Les types comme ça... Ça prévoit de sauver le monde façon Ancien Testament et tout ça. Il doit me manquer des informations. Donc finalement, donc ce Bertrand là, il est assez énigmatique. Hein, on sait pas trop quelles sont ses intentions. En tout cas, c'est lui qui a tout créé, si je dis pas de conneries. Hein, donc c'est lui qui crée les monstres, c'est lui qui a la milice en main, et c'est lui aussi qui a créé les soldats de l'air. Encore en train de me le demander. T'as l'air crevé. Passe me voir et repose-toi. Ouais, peut-être bien. Je te montrerai mon nouveau noyau. Ok, donc on va aller lui montrer notre noyau. Jack, j'essaie de choper ça quand même. Bon, là par contre, vous voyez, j'en ai 20 sur 52 là, les fragments. Donc il va m'en falloir encore 32 pour pouvoir augmenter ma jauge d'énergie. Donc bon, autant dire que c'est mort. Enfin, je pense que d'ici à la fin du jeu, je pourrais pas en choper 30, parce qu'il faudrait vraiment que je me balade partout dans cette nouvelle zone. On va regarder un petit peu. Alors il y a quelques missions secondaires. Ah, ça y est, vous voyez, donc la mission de Bon Karma, enfin en tout cas au moins celle-ci, a été débloquée. Je vérifie rapidement si j'ai débloqué d'autres choses. Non. Et ensuite, ouais, je dois donc juste aller tout droit. On va y aller sans plus attendre. C'est un peu long, mais il n'y a pas le choix. Parce que là, il n'y a vraiment rien en fait pour se déplacer plus rapidement. Il n'y a pas de rail ni quoi que ce soit. Enfin, si par exemple, là, il y a quelque chose. C'est un peu trop tard. Voilà, j'aurais pu utiliser ça. Hop. De toute façon là, mon point il est de l'autre côté. Donc ça, encore une fois, comme d'habitude, c'est une espèce de petit campement qui a été fait par Zek et Astic. Alors faut savoir aussi que noyau d'énergie, ça veut aussi dire normalement nouveau pouvoir, donc on va voir ce qu'on a. Ils sont carrément en train de se relaxer. Vous avez remarqué les chaussures Tortue Ninja de Cole, franchement. Avec une grosse fente au milieu. J'adore cette scène. Putain, c'était quoi cette petite scène à la con? Ah, d'accord. Oh. Let's do it!
Si c'est juste à côté de nous, il y a l'électricité partout, mais là tu te réveilles pas. Oh, ça fume. Alors, qu'est-ce qu'on va voir débloquer cette fois-ci? J'avoue que là, j'ai pas forcément d'idée sur ce que ça pourrait être. Alors, absorber encore un noyau d'énergie pour utiliser l'IMS. Ce qui nous tue pas nous rend plus fort, pas vrai? Alors, maintenez L1 et appuyez sur R2 pour vous tirer vers votre cible. D'accord. Wow, d'accord, c'est une espèce de grappin. De l'escalade. Ok, ah, c'est pas mal ça. C'est plutôt pas mal. C'est bien, bien, bien. Donc, à mon avis, il va me rappeler d'ici quelques secondes. Voilà. On dit que Bertrand charge un truc important sur ses bateaux de marchandises au port. C'est sûrement le premier chargement de ses porteurs maison. Je te parie que les puissances étrangères ont payé Bertrand en avance. À ton avis, il dirait quoi si je sabotais ses bateaux? Il sortirait de sa planque? Peut-être qu'il serait tellement furax qu'il se transformerait en insecte et on aurait juste à le laisser s'entretuer avec la bête. Bon sang, pourquoi c'est jamais aussi facile? Nums. Alors, donc, ouais, il va falloir retourner de ce côté-là, mais enfin là, par contre, au niveau du temps, c'est un petit peu limite, parce qu'il reste 10 minutes pour l'enregistrement. Donc, à la limite, je pensais plutôt faire une mission secondaire. Pourquoi? Attendez, ça a changé mon truc sur R2, là? Courroie éclair, ah d'accord. Ouais, d'accord, en fait, ça fait partie des pouvoirs qu'on débloque ici, donc je peux pas utiliser le lancer de glace et avoir ça en même temps. Bon, c'est un peu dommage, mais c'est comme ça. Par contre, ouais, il y a quelque chose que je voulais prendre, là. Alors ça, faut absolument que je le prenne. Grenade multiple à 5500. Ça va être trop bon. Hop. Et sinon, à côté de ça, est-ce qu'il me reste encore des choses? Ouais, il me reste des trucs comme ça. Donc, bah, ça, c'est pareil, ça va être un peu plus tard. Je sais pas si j'aurai de quoi les débloquer, hein, d'ici la fin du jeu. Roquette collante, roquette de gel, bon, à la limite c'est pas forcément génial. Et par contre les grenades, attention, regardez, ça relâche plein de petites et en plus elles sont collantes, donc ça c'est absolument génial. Bref, on va aller faire la petite mission secondaire qu'il y a ici. Hop, menace biologique. Ces hommes de glace ont volé des produits chimiques très dangereux, ils vont blesser quelqu'un. Sans deck. Allez, on va aller chercher. C'est peut-être encore cette histoire de gaz. Alors. En fait, il faut que je les arrête. Faut que je les flingue, en fait. Oh, bordel! T'es sérieux, quoi? Il grimpe ici, et moi, je vais mettre 10 minutes pour monter. Hop. Attendez, bah, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre, là, avec le R2... le lancer de glace sera mille fois mieux pour pouvoir les suivre, parce que le lasso c'est sympa 2 secondes, mais c'est pas si génial que ça, je trouve. Enfin, ça va pas être bien pour les suivre rapidement. Ah, ça a pas touché. En plus, ils ont pas l'air d'être difficiles à tuer, en fait. Voilà. Bon, allez. Bon, vous voyez pourquoi, en fait, en général, je veux pas faire les missions secondaires, simplement parce que il y en a certaines qui sont vraiment très courtes et assez minables. Par contre, il y a peut-être d'autres missions dans les environs, ouais, il y en a encore plein. Donc on va faire ça. Je vais faire quelques petites missions secondaires, comme ça, ça va meubler jusqu'aux 30 minutes. Par contre, c'est au-dessus. Alors ça va être quoi? Ça va être une course avec ça, non? Plus dur sera la chute. Les monstres énormes sont en train de s'entretuer! Par ici! Par ici! Vous devez arrêter ça! Les gens vont se faire piétiner! T'inquiète, je gère! Waouh! Un bordel! Pas l'air con, quoi! Par contre, là, l'endroit, il est un peu plus ouvert que tout à l'heure. Bah, y'a pas d'électricité là dans les environs, tu te fous de ma gueule. Alors où est-ce qu'il est? Allez.
Ah, je vais péter un bras. Bah, je savais pas qu'en fait on pouvait lui péter des différentes parties juste avec les roquettes. Ah la super. Allez, viens te la mettre là. En fait il se régénère tout seul. Ou je dis des bêtises. Bah, ça rebondit en fait à chaque fois. Oh. Ah vas-y. Oh genre tu m'as touché quoi. Oh, j'ai rien quoi, l'électricité par une de ses vitesses. Hop, ici aussi, et voilà. Bon, ça va encore, heureux, il peut pas nous sauter dessus. Il se fait cracher dessus par un ravageur, on dirait. Et là il est encore. Ah oui, là il est dans la même position que tout à l'heure. Non, c'est pas ça. Non. Voilà. C'est dû arracher quelque chose. En train de marteler la manette comme un porc. Et voilà. Ah non. Il y a des ennemis là. Je fasse gaffe. Mais en fait, je sais pas vraiment à quoi ça sert de lui arracher sa face là. Je sais pas si ça lui fait des dégâts. Tiens, va voir ailleurs si j'y suis quoi. Ah voilà, il y a ça ici. J'ai pas pensé. Hop. Eh, jamais tu crèves, n'empêche toi. Tu me dis hein, si ça te dit de crever par hasard. Hop, on va grimper là-haut. Il y avait peut-être encore de l'électricité quelque part. Ah là j'ai même pas un pot d'électricité. Je voulais faire ça pour aller chercher l'électricité ici. Et voilà, le titan c'est fini. Tchac. Et donc ah par contre en fait d'accord, il a tué toutes les bestioles. Énorme ça. Ouais, ouais, ouais. Non. Ouais. Bordel. Oh bon. Ah d'accord, c'est le gros. Ouais, ouais, ouais. Non. Ah mais non. Bordel. Non. Par pitié. Waouh. Bordel. Non. Je vais pas mourir. Non. Waouh. Ah ouf ta gueule de merde là. Hop, je me casse ici. Voilà, vous voyez, tain, je vais envoyer des grenades dans la face, ça a été relativement efficace quand même. Hein. Donc voilà, bah, c'est fait avec cette mission secondaire. Et bon, puis donc à la limite, je vais pouvoir mettre fin à la vidéo maintenant. Là, je suis quasiment aux 30 minutes. Donc bah la prochaine fois bah, on reprendra bien évidemment l'aventure principale. Où est-ce que je suis? Ouais, je suis ici. Et donc ici, ouais, le visage du changement. On verra ça donc la prochaine fois. Je pense pas faire de mission secondaire d'ici là. J'en ai pas vraiment besoin. Donc bon, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo et à plus pour la suite.